Salut tout le monde, c'est Panda. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de Dino Park. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et donc aujourd'hui je suis accompagné de mon informateur secret, qui vous connaissez pas, mais lui il vous connaît. Dites bonjour, enfin lui dit bonjour. Bonjour. Ah quel pourri, il rigole tout le temps. Mais bon, il avait pas l'habitude de parler hein. Il est tout le temps dans l'ombre, style Batman. Sauf que Batman il parle. Mais c'est pas grave, c'est pas la raison. Donc j'ai fait une coupure là à l'instant, vous avez pas vu. Mais bon, c'est pas grave, donc hop, et voilà. Donc j'ai fait en vidéo, en fait sans faire exprès, j'ai tourné, mais on n'entendait pas mon informateur secret, donc normalement on l'entend. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, encore une fois. Donc j'ai commencé un petit peu la mine, et je me suis fait une pioche en plate. Voilà, on va dire ça. Mais elle est super puissante, mais elle n'est pas du tout résistante. C'est ça le problème. Et j'ai découvert comment on fait marcher la machine XP. Ça marche pas? Ah non, faut du charbon. Donc en fait, on met de la poudre ici. Oui, j'aime bien la poudre. Enfin, de la poudre de Prometheum. Excusez-moi. Non, en fait, c'est pas pour ça. Est-ce qu'on peut faire de la poudre de copper? Non. On ne peut pas faire si, de si, la si, poudre. Si. On peut faire de la poudre de copper. Ouais, en fait, ça met longtemps, mais t'as la flèche qui a bougé. Regarde. Ah, on peut faire de la poudre de copper. Je pense que ce sera un peu puissant, un petit peu plus puissant que le Prometheum, mais on verra. Parce que sincèrement, le Prometheum, ça, là, vous voyez, j'ai utilisé 14 lingots minimum. Donc, vous voyez, c'est pas mal faiblard. Oh, du fer. Panda. Oui. T'as pas montré. En fait, t'as montré avec ton doigt, mais eux, ils voyaient pas ta barre. Par rapport à où ça la pioche. Ah oui. Donc ça a commencé vers... Ah ben non, vous voyez pas ma souris aussi. Donc, vous voyez le second cœur en partant de la droite. Et bah, ça s'est terminé à la fin. Voilà. J'aime pas trop ce bruit. C'est dehors? Non, c'est le Vélociraptor, en fait. Oui, il s'est abstenu de regarder la série pour deux épisodes. On va dire ça comme ça. Voilà. Je déteste ces vélociraptors. Ils sont un peu trop dangereux à mon goût. Ils sont forts? Un petit peu beaucoup. Bon, on les tue en trois coups d'épée, je crois. Mais ils font très mal. Ils nous tuent en deux. Mais on a pas mal de fer, hein. C'est bien, ça. C'est bien, nous avons du fer. Et nous avons une pioche qui est déjà presque finie. On mine que de la cobble avec. C'est dommage. Je pense qu'il va être là, le petit machine. Ou pas. Ou pas. Non. Ouf. Si. Peut-être que si, en fait. Bon. On va faire gaffe, on va faire très gaffe même. Et j'entends son souffle pas très loin en fait. Il est censé être devant moi. Ouais, il est devant, on l'entend, et enfin je l'entends à l'enceinte. Oui, non, c'est une chose. Si, il est là. Ah, c'est lui. Ah merde, j'ai plus de torche. Ah non, ça c'est une sorte de dauphin. Mais il est peut-être dehors. C'est ça, c'est les dauphins. Ouais, mais les dauphins, c'est méchant aussi. Bon, on va remonter. Hein. Les dauphins méchants. Enfin, oui, c'est des... Tu sais, les dauphins carnivores. Ah oui. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est pas très gentil. En fait, il est peut-être dehors, parce qu'on voit de la terre. Bon, on va observer dehors. Hein. On verra bien. Il me dit des fois des conneries. Oh. Faut l'en excuser. Donc du copper dust, c'est assez long à faire, mais on va voir si ça me rapporte un peu plus. C'est le contraire. En fait non, c'est comme ça. Oui, mais avec du cuivre. Ah avec du machin. Ça ne marche pas. Ah oui. Eh, il est peut-être pas bête, hein. Ah, et ben non, il est bête. Mais non. Ah, ça marche que avec de la poudre de Prometheum. Super, donc ça sert à rien qu'on en fasse d'autres, tu vas m'arrêter ça tout de suite. On va essayer avec d'autres minerais. Hein. Du deep iron. Est-ce que ça marche? Attends. Oui. Ouais, ça marche.
Hey. Ouh. Oh. Quel épique fight. Où est-ce qu'il est? Tu vas voir, ça va me surprendre. Vous allez voir, ça va me surprendre. Attends, non. J'ai remarqué aussi. Je vous avais dit qu'il fallait que je retourne dans le monde normal pour aller chercher de la terre. Eh ben non, regardez. La terre normale. C'est pratique, c'est pratique. Mais c'est vrai que c'est un peu con. Les bugs comme ça. Les bruits me font peur, très peur. En C'est fait, le gros à côté. c'est ouais, c'est les gros dinosaures. Oui, c'est vrai, j'ai plus le mode. Voilà, ceux-là sont très résistants. Et il donne quoi? De la viande. Ouais. Un tout petit peu. Ça fait peur les bruits. Et je crois que c'est 20 coups d'épée comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc 23 coups d'épée en mithril. Un petit peu résistant et ils m'ont looté, voilà. La viande d'Adrosaur. Ah non, c'est pas des stégosaures. Raté. Si, je crois que ça s'appelle comme ça en français. Ah non, Adrosaur, ça me dit quelque chose aussi. Compliqué. Bon, on verra bien. Un... Ah, c'est de la bouffe. On dirait ah. des pilules. Ah, t'es bugué, hein. Ah ah. Bon, tant pis. En fait, y'a que ça dans ce biome. Ouais, presque. Mais j'avais vu un biome volcanique, on va essayer d'aller voir pour récupérer des blocs. Ah, il y a un biome là-bas, donc on va... Non, c'est pas ça. Ah voilà. Base. Ok. Donc là, on va voir si ça marche. Hop, on quitte. Et on revient. Ok, ça reste, c'est bien ça. Donc c'est bon. Nous sommes sauvés. On peut laisser les waypoints. Ah oui, j'ai installé le mode mignon, je sais même pas à quoi il sert. Il y en a un peu beaucoup, hein. Mais en même temps, il se déplace en troupe. On va dire ça comme ça. Oh. Voilà. Oh. Le biome volcanique. On va explorer, on va explorer. Et à ta gauche aussi, il y en a un biome dans l'eau. Et ils font beaucoup de bruit. Beaucoup, très beaucoup de bruit. Il est vachement beau ce biome. Celui-là ou celui-là? Le biome volcanique. Volcanique, il est sympa. On va peut-être essayer de s'établir dedans, ça a l'air d'être sympa. Enfin, faire la cabane. Ils sont beaux les dinosaures dedans. Ça. Ouais, c'est des c'est ceux qu'il y a dans Jurassic Park 2, si je sais pas si vous voyez. Ceux qu'il y a dans Jurassic Park 2, vous savez, ceux qui foncent dans les personnes avec leur crâne Ah oui, leur crâne plus dur. Et le ciel a changé de couleur. Ah ouais. Bah c'est que ça change de biome, c'est très stylé. Regarde. Ah ouais. Ah. Ah ouais, j'avais pas remarqué, mais c'est sympa. Très sympa même. Vas-y, tu joins. T'es gentil. Oui. Ouais, deux tours. Ah, je les connais, oui. Ils ont un crâne en diamant. Il m'a donné de la bouffe. Non, lui, il donne rien, donc ça sert à rien de les tuer. Ok. Bien dommage. Non, ils sont jolis en plus. Moi, oui, j'aime donc, bien, ils sont trop mimés. Le mode mignon. Oui. Ça, tu peux miner avec. En fait, ils minent pour toi et ils te les mettent dans les coffres. C'est cool, ça. Comment on fait? Je sais pas. C'est compliqué, en fait. C'est de l'obsidienne. Non. Wouh. J'espère pas. Non, du basalte. Basalte. Si c'était de l'obsidienne, vous imaginez? T'aurais pu faire une maison avec. J'ai peur de creuser dans le mur en fait. C'est peut-être un volcan en fait. C'est un volcan. Ah, merde. Oh. Allez. Non, oh, merde. Bon, bon, c'est sympa comme biome. Hein. Un peu hostile quand même. Ah, un biome marais là-bas. Il est un peu petit. Enfin, non, peut-être pas en fait. Ouais, il est pas si petit, il s'étend par là-bas. Ouais. On dirait un peu le biome Mesa. Non, je pense pas. C'est la couleur. En tout cas, on dit, en fait, c'est l'autre biome, mais en rouge. Et avec de la lave. Ouais, c'est ça en plus. Hein. Oui, et du feu. Ouais, ça nous rapporte pas énormément. Après, c'est peut-être pas cuit. Ouais. C'est les marais qui sont comme ça. Pourquoi il brûle? Parce qu'il est à côté de la lave. Oh, oh, c'est sympa les biomes marais, mais c'est regardez-le, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. bon.
Attendez, le ciel est de quelle couleur? Il est kaki. Oui, il est kaki. Moi j'aime pas. Je préfère rester là. C'est plus... Non, il y a de l'eau dans ce biome. Ouais, mais J'ai entendu un vélociraptor. C'est quoi ce biome? Enfin, c'est une jungle? Ou c'est des arbres bizarres? Je sais pas, c'est censé être une jungle, je pense. Oh! On dirait des mangroves à l'envers. Non, quand même pas. Je pense pas. C'est illuminé, l'eau. Non, c'est qu'en fait, ça change de biome. C'est très joli, j'aime bien. En fait, c'est le Minecraft normal. C'est l'autre qui est sombre. On va pas y aller maintenant parce que je sais pas quelle heure. Bon, il est midi. Voilà, là, il est midi. On y va? Bah vas-y, allez. Allez, va. Soyons fous. Mourons pour là. Non, ne mourons pas. Bon d'accord. Parce que si pas. On meurt. Ah oui, c'est vrai. T'as qu'une vie. C'est fini. Oui, je voulais vous reparler du projet que je vous avais dit là. Donnez-moi une liste, enfin, donnez-moi un mode chacun. Parce que la prochaine série qui remplacera celle-là sera en fait une série pour vous. Vous me donnerez les modes et tout en 1.6.4, donc c'est vous qui modderez la série en quelque sorte, et vous me direz qu'est-ce que je dois faire. Vous me donnerez par exemple un thème, par exemple, non, d'abord vous me direz si je dois la faire RP, ce qui veut dire je me donne un rôle, etc. Ça j'aime bien, c'est sympa. Ou alors, je dis bien ou alors, comme ça, normal, je vous parle, sympathique, bien, mais comme commun. Donc vous me direz. Si par exemple vous me le dites RP, donnez-moi un thème sur quoi vous voulez que la série soit. Par exemple survie, je survie à, je sais pas, des extraterrestres, imaginons. Je sais pas, voilà, des trucs comme ça, donc dites-moi. Je suis preneur. Donc toi t'aurais peut-être des modes en 1.6.4? Non. Non? Bah je connais. De tête là. T'as pas vu des séries d'autres youtubeurs en 1.6.4 Je sais pas si ce... Je sais pas. Il y a peut-être Galacticraft. Ouais. Bah sur la Lune, ça pourrait être sympa. Ouais. Et à Mars maintenant, il y a une mise à jour. Ouais. Oui. Mais je sais pas si c'est en 6.4. Je sais pas. Non. Bah je pense aussi. Il y a sûrement plein de modes. Ouais. Bah... Ah je vois pas en fait ce que je pourrais prendre. Mais on continue. On pourra mettre horse mob. C'est quoi ça? Horse spawn, pardon. C'est ou quoi? Horse mob, je sais pas. Mais c'est quoi? Ça te rajoute plein de mobs, de minerais sûrement. Et des épées, je crois. Bah voilà, tu peux mettre horse world. Ouais, bah ouais. Bah je l'ai là. Oui, donc déjà tu l'as. On va regarder comment ça se craft au fait les épées. Bon, l'épée lapis, j'ai rien d'extrême. Alex, il y avait le truc de l'épée. Exceptionnel, bon, voilà vous. La Witherbane, c'est ça? Oh, il y avait le Wither en 1.4.2? Faut croire que ouais. Oui. Master Sword, Aquos, Molten Sword, Lapis. Je connais ce mode. Ouais. J'ai vu un tuto. Ouais. Oui, les épées, je crois. Ah, mais non. C'est dans une autre série, pardon. Ok. Je crois bien que tu connais. Blaze World, Blood Sword. Oh! Oh! Eisen. Ça coûte cher. Sword. Bah, deux Ice of Thunder et deux diamants. Quatre diamants. La Draconic Sword, elle a l'air d'être sympa. Mais il n'y avait pas une Admin Sword? Admin? Ouais. L'épée où tu peux tout tuer à un coup. Et t'as vu, au fait, il y avait le truc des poudres. Ça peut t'aider. Où ça? Bah je sais pas, reviens dans le menu du tout début. Non, il n'y a pas un menu du tout début. Non, mais c'est ça. Bah j'avais vu des poudres, mais c'est vers le haut. Ouais. Attends, vas-y, mollo. Ah. Non. Hop. Non. Il est fou. Je suis fou. Voilà. Oh! Ah oui, on peut faire des alliages, je m'en souviens. On dit merci qui? Non, pas toi, mais parce que je m'en souviens. Donc si on mélange du truc de platium avec de l'eau richalk,
On peut faire du sel, du selen. À mon avis, c'est plus solide. Quicksilver. C'est pas une marque. Adidas et Nike, voilà. J'en ai dit deux de plus, donc ça me va. Donc c'est bon. Non, c'est bon. Quand on a dit deux de plus, on peut. Mithril et Rubiracium, ça fait de l'air de poste. Deep Iron. Et... Ah, ça j'en ai. On peut faire du Black Steel Dust. Et Prometheus, du Prometheum et Deep Iron, on peut faire de l'Iron Dust. Bon, ça on s'en fout. Bah, oui. On peut avoir de l'Iron quand on veut. Altar. Oh, des altars. Oui. Ah oui. Plus la machine est puissante, ça veut dire... Nous, on a la verte, non? Mais c'est le four, ça? C'est quoi? Abstractor. Ah non, nous, on a... Ah, c'est ça, nous. Ah, oui. Nous, c'est ça. Hop. Donc, quand on a ça, on peut le Deep Iron. Ensuite, on le Black Steel. Ensuite, on le... Ensuite, on le Arpstat. Ensuite, on met du Mithril. Putain, après, ça devient cher. Ensuite de ça... Lars Dust. Ensuite, Lars Dust, on met du Lorichalc. Lorichalc, on met du de l'adamantine. L'adamantine, on met de l'Altarus. De l'Altarus, on met de la tartarine. Tartarine, et c'est le dernier truc. Bien. La tartarine, c'est le dernier truc. Pourquoi pas? Pourquoi pas la tartine aussi? Mais bon. Donc on va retourner, hein. On va essayer de faire ça, ça va être sympa. On va se lancer dans la métallurgie. C'est un peu un contraste pour entre les époques, on va dire ça. J'espère que je vais pas me faire attaquer. Excusez-moi. Attendez, je fais une petite ellipse pour retourner à la base. À tout de suite. Re. Bonjour. Non, c'est re, mais bon. J'étais en train de regarder aussi les au niveau des qu'est-ce que ça ressemblait la tartatine là au niveau de tartarine plutôt. Tartarite, voilà. Au niveau des armures, et je trouve ça pas mal stylé, même les armes. À mon avis, c'est je vois pas comment on l'a fait la tartarite. Je me souviens plus. Non, si tu le trouves en minerai, tartarite. On fait de la poussière. Comment fait-on de la poussière de tartarite? Avec de l'adamantine et de l'altérus. Comment on fait de l'adamantine? Comment on fait? Ah, bah c'est un minerai. Et de l'altérus? L'altérus. C'est un minerai aussi. Ok. C'est chaud. Donc, attends, de l'adamantine. Déjà. C'était quoi qu'on voulait faire? Tu voulais pas faire de la truc avec de la deep iron machin? Si, c'est pour ça. Dans quoi t'es là? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que t'as fait? Aucune idée. Non, ça c'est chou. Ah, voilà. C'est lequel? Ah, voilà, c'est ça. Prometheum. Ensuite, deep iron ore. Oh, merde, j'en ai plus. T'en as encore? Non? Ah non. Si, t'en as plus. Bah non. Voilà, si t'as de la deep iron. Bah si, t'en fallait, c'est de la dust qu'il te faut. Bah oui, mais je l'ai moulu. Oui, mais attends, il mais ça marche que dans le deep iron. Oui, mais tu voulais faire un alliage de deep iron et d'autres choses. Sauf que c'était quoi l'autre chose? Ouais, pas bête, mais ouais, bon, j'avais la langue dans la bouche, c'est pour ça. Que j'ai fait un son bizarre. Tu l'as toujours dans la bouche. Épisode what the fuck. Ouais. Je crois que ça suffira pour aujourd'hui l'épisode, la longueur de l'épisode. Donc j'essayerai de trouver comment on fait certains minerais, certains trucs, etc. Donc je vous dis à la prochaine. À la prochaine, à l'épisode 7. Ouais, l'épisode 7, ça va être sympa. Donc je vous dis à l'épisode 7. Et à mon avis, il sera encore là. On va le réinviter, vous êtes d'accord? Je pense aussi. Donc je vous dis à plus tout le monde. Passez une bonne semaine. Et bye. Allez, au revoir.